Alors, est-ce qu'on va avoir une zone par ici? Pas de zone par là, vraiment? Retournons vers le sud, alors. À moins qu'il n'y ait pas de zone cette fois sur la carte, mais quel cas serait un peu bâtard. Ce qu'on a toujours eu. Toujours rien pour le moment. Toujours rien. C'est pas vrai. Ou alors, on peut tenter par là. Hein. Enfin, au bout d'un moment, on aura fait toute la province. Enfin, j'appelle ça des provinces tout le temps, mais tout le quartier. En tout cas, c'est sur les bordures, je pense. Parce qu'il y a de l'eau un peu dans le centre, je pense, et il y a de l'eau ici. On est bien tout en bas là, donc on va remonter comme ça. Maison, ça pourrait être un truc comme ça. Pas hein. Bah mince alors, j'ai fait tout le tour. Bon, il va falloir qu'on commence à se dire qu'il n'y a peut-être pas de zone. Hein. Ce qui ne me réjouit pas vraiment. Ça ressemble ça. Non, pas vraiment. Ok, mais je cherche pas des démons là. Et merci. Merci, citoyen. Ça m'embête cette histoire. On va retourner à la petite zone où il y avait des arbres au sud. Voir si on trouve ce qu'il faut. J'ai l'impression qu'il y a des petites maisons. Donc c'est pas là non plus. Là il n'y a pas d'eau. On va retourner au niveau du centre alors. Là, il y a, on est d'accord qu'il y a, il y a de l'eau ici. À Central Park. Ah, quoique, est-ce qu'il y a vraiment de l'eau? Pas vraiment. Mes excuses! Il y a pas d'eau par là. Mais ici, il y en a.
m'embête. Ça m'embête parce que du coup, s'il dit il y a de l'eau, bah. Ça l'arrive quoi. C'est de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a vu aucune petite maison. Voilà, il faut que j'avance plus haut que la. Le quartier. C'est possible aussi. Oh, d'accord qu'il avait dit Upper East, pas Upper West. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. C'est peut-être Upper West. Est-ce que j'ai mal... Est-ce que j'ai mal entendu? Si j'ai mal entendu, je suis deg. Peut-être que j'ai mal entendu East et West. Alors, de l'autre côté de la rive. C'était Upper West. Je crois que c'est ici. Du le côté de ces arbres. Le neuneu. Eh hey, mais t'as envie de mourir ou quoi? Oh les gars, si on donnait une leçon au petit jeune. Ce petit corrompu s'est attaqué à plus fort que lui. Il va falloir que je le sauve avant de le soigner. Ces hommes sont armés. Je peux peut-être en neutraliser discrètement. Les dodos. Cours, petit corrompu. Coucou, chepanier. Ah, les autres n'ont pas détecté, c'est extraordinaire. Ça. Je boirais bien un coup. Réveille-toi, yo. Tout va bien, voilà. Steve. Bien. Steve, non. Hé hey, je viens de te passer du côté obscur. Qui aime voilà, bien, Steve. Châtie bien. Cette mise en scène. Oh, Steve. Oh non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'ai jamais aimé ces types. Mais là, j'avais carrément envie de les tuer. Je préfère pas y penser. T'en fais pas. T'y es pour rien. C'est difficile à expliquer, mais c'est vrai. Et c'est ainsi qu'il fit jour à nouveau. Dans le magnifique monde de New York. Et voilà, 1500 points, ça fait plaisir. Excellent. Et hop, cette musique stressante, ça va pas à la tête. Alors, du coup, ma foi, oh, c'est un nouveau type ça aussi, défi infiltration. Ma foi, on a fait un tout petit peu, un soupçon d'histoire, on a fait une infiltration de Mary Jane, une intervention de Spider-Man, une dispute entre Mary Jane et Spider-Man, un premier jour de Miles au Fist, et on a découvert aussi un petit peu plus du gameplay de Miles avec du piratage et des trucs comme ça. Et puis après tout le reste c'était de l'activité secondaire où on a fini toutes les planques de Black Cat, on a reçu le costume qu'on porte actuellement. On a fait une série de défis de Taskmaster et la première rencontre avec Taskmaster, j'imagine qu'il y en aura d'autres quand on aura fait plus de défis, parce qu'il nous a dit round 2 machin truc, donc premier combat contre Taskmaster. Et déblocage d'autres types
de défi de Taskmaster à faire. On a fait quelques stations de recherche, quelques repères de démons, hein, notamment. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, tout ce qu'on a fait, ma foi. On est passé à 67% de progression de jeu, en comptant les contenus annexes, hein, j'imagine, donc plutôt cool. Et on a fait quelques missions annexes, hein, notamment. Aussi, au passage, notamment sur les jeunes, là. Mais il y en a encore eu d'autres, on les a pas toutes faites. Mais on va s'arrêter là pour cette session, donc on va pas en faire plus. Donc on a fait un bon paquet déjà, donc on a avancé un peu là-dedans. Au niveau des tenues, deux nouvelles tenues qui sont disponibles. Costume Iron Spider, oui en effet. Il brille. Hein. Bras métalliques, semez le chaos avec vos quatre bras métalliques articulés en alliage de cristal à croissance rapide. Rien que ça. Oula, excusez-moi du peu. Et ici, on a le costume Vélocité, relativement futuriste aussi, qui a Blitz. Les micro-gyros permettent de courir plus vite et le transfert d'élan en temps réel renverse les ennemis. Incroyable. Et on peut en acheter différents. Par contre, sur les jetons de base, on n'a pas beaucoup de jetons de base différents. Hein, donc on va pas, enfin, nombreux, on va dire. Donc on va pas pouvoir en acheter des masses. Mais achetons-les par ordre comme ça. Temporairement des dégâts massifs. Fear itself. Et on peut acheter lui aussi. Cachetons-le. N'hésitons pas. Costume Vélocité. Donc on va équiper d'abord. Attendez, parce que... Est-ce qu'on les a tous équipés là? Négatif, on l'a pas équipé, mais fait mal aux yeux. Secret War, on l'a pas équipé non plus, Secret War. On les a pas tous testés au final. On l'a pas testé celui-là non plus. Mais après, en même temps, je pense pas qu'on va tous les mettre. Parce que vu que je les garde quand même assez longtemps dans une session, et je pense pas qu'on ait un nombre de sessions restant qui équivaut au nombre de costumes. Donc, ça dépend du temps des sessions, mais je ne pense pas, donc... pas tous les mettre. On va mettre le Vélocité, tiens, on est tombé dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, on a en ulti Blitz, pour courir plus vite, ça permet de courir sur les gens. Et on a les dégâts lourds. On fait plus de dégâts. Pardon, globalement. Après l'ulti, je crois que je suis tombé amoureux de l'ulti de Spider Compagnon. Vous m'excuserez, parce que du coup on n'en teste pas beaucoup des autres, mais... Oh, lui, il a l'air bien aussi. Spider Compagnon, c'est tellement efficace. On peut acheter ici maille chargée, le maillage plasma, électrifie la surface de votre tenue, étourdissant les ennemis qui vous touchent, doit être rechargé après avoir été utilisé. Est-ce qu'on se mettrait pas la maille chargée à la place du cac? Parce que ça a rapport avec le cac aussi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux remettre capteur de danger, s'il vous plaît, ici. Voilà. Ici, on a un nouveau là. Rien que je ne puisse faire, par contre, j'imagine, en termes d'update. Très bien. Et donc, ici, on a encore 4 points de compétence. Attaque surprise. Améliore l'élimination frappe de toile pour repousser également les ennemis. Voilà, très bien. Là. Tissage continu. Lorsque vous projetez un ennemi, appuyez et ça fait tourner. Très très drôle. Boulet de canon, vous pouvez saisir un ennemi et projeter une brute après les avoir entoilés. Voilà, on a presque tout l'arbre d'innovateur. On peut ensuite attaquer à celui de tisseur de toile. Et voilà. Avec ce petit costume qu'on ne voit pas très bien en contre-jour.
petite... Ouais. Pourquoi pas. J'avoue que j'aime beaucoup, au niveau des costumes hein, pour le moment, mes préférés, je dois dire. J'aime beaucoup celui de base. Avec l'araignée blanche. Qui est plutôt cool. Et derrière, bon. Celui que je trouve stylé, mais un peu hors Spider-Man, on va dire. En costume que j'aime bien. Lui, c'est vrai que je le trouve plutôt cool, mais qu'on l'a pas encore mis. On le mettra peut-être à un moment donné. En costume que j'aime bien, il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais si je devais vraiment en choisir 3 dans ceux qu'on connaît actuellement, il y aurait le costume noir qui est vraiment stylé. J'aime beaucoup. On les a pas tous vus en action hein, pour le moment, mais il y aurait le costume noir. Le costume furtif, je pense. J'aime beaucoup aussi dans le principe. Ça fait penser un peu à... Comment il s'appelle déjà ce... Stealth Bastard, là où je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Et le costume avancé. Je pense que c'est les 3 que je préfère dans ce qu'on a débloqué pour le moment. En sachant qu'il y en a plein que j'aime bien et qu'on a porté. Et d'autres, c'est vrai que Secret War, on l'a pas porté encore, je crois. On portera l'occasion aussi. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver là. Et c'est en montant de niveau que ça arrive. Et il y en a un qui est verrouillé aussi, en mode on sait pas trop comment est-ce qu'on va l'avoir. Peut-être en finissant la campagne, un truc du genre. Donc, quoi qu'il en soit, on a des techniques. On va s'enlever le petit nouveau dans les techniques. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette session de Marvel Spider-Man vous a plu. On se retrouve pour la suite dès que possible, comme à l'actu. D'ici là, portez-vous au mieux. Bye.